Amen. Nani mokoti? Nani mobiki si? Yesu. Toi tu bien maman que ça va? Amen. Toi bien maman que? Amen. Mais vous êtes pas chaud. Lelo eza mokolo yesengo. Amen. Bandeko, ils sont mariés, il faut les encourager. Tu mets des robes dans ma bobo s'il vous plaît. Amen. Le mariage, c'est très, très, très important. Quand je vois les jeunes personnes qui ont un mariage, bien aimé, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Amen. Parce qu'il y en a beaucoup dans ce monde, bien aimé, ils ont ça. C'est grave. Amen. C'est vraiment très grave. Je dis la famille ne peut pas garder silence pour ces choses. Donc, vraiment, c'est ce que je veux dire. Le mariage, c'est depuis les années. Qui a créé l'homme et après avoir créé l'homme, il a dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu, il faut quelqu'un à côté de cet homme, afin qu'il soit. Il était allé dormir l'homme. La Bible dit, un profond sommeil pour tirer de son côté et créer ce mariage. Ça commence dans le mariage. Là, tu vas se marier. Marier, c'est bon. C'est vraiment un plaisir. Mais derrière le mariage, vivre le mariage, c'est là le problème du mariage. Parce que le mariage, le diable ou le démon, Satan, n'aime pas le mariage. Le premier ennemi du diable, c'est le mariage. C'est pourquoi dans le mariage, il y a beaucoup de combats. Si vous avez remarqué, ici même où on est, en Europe, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de divorces que le mariage. Beaucoup. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va suivre après? Je ne vais pas aller plus loin, mais je vais seulement lire la parole de Dieu dans le livre des Éphésiens. Là, on a notre message que j'ai intitulé « Le mariage selon Dieu ». Éphésiens, chapitre 5. Je vais lire à partir du premier verset. La Bible nous dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc, vous allez voir que les imitateurs de Dieu, donc, il nous demande d'être imitateur, c'est-à-dire d'imiter le Seigneur, d'imiter Christ, de devenir vraiment imitateur de Dieu. À suivre comme lui-même il a tracé, comme lui-même il a donné des ordres. Ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est le Seigneur qui combat pour nous. Donc, dans les mariages, la Bible dit ici, d'abord, premièrement, devenez les imitateurs de Dieu. De Dieu. Et nous allons aimer de tout notre cœur. Et dans le verset qui suit, la Bible dit,
ni la cupidité ne sont pas même nommés parmi vous. Ainsi qu'il convient à des saints qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce dans votre famille. Amen. Donc, il y a le combat qui se passe quand les hommes sont mariés. Détruire ces mariages, afin de détruire le marché que Dieu a uni. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de divorces. Mais si les gens, ils sont fondés dans la parole de Dieu, s'ils sont assis réellement dans la parole de Dieu, nous allons rester jusqu'à la mort, nous sépare. Parce que quand Dieu est humilié au centre des mariages, personne ne peut détruire ce que Dieu a uni. Mais seulement, il y a quand nous abandonnons Dieu. Et si nous avons essayé, mais regardez, il faut bien conserver cette bénédiction. Parce que dans les versets que j'ai préparés, le verset 22, la femme soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. C'est là le problème que les gens ne comprennent pas. La Bible est claire. Dieu, c'était Dieu d'homme. Il a bien commencé. Dieu n'aime pas les deux hommes. Quand Dieu commence à la femme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme doit se soumettre à son mari, comme le Seigneur. Donc, la Bible dit que cette femme, d'abord avant qu'il devienne la femme, Dieu a permis que l'homme puisse se doter. Chez nous, peut-être dans les autres pays, c'est pas comme ça, mais ça je parle de la Bible. Son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme. Il deviendra aller chez la famille de la femme. Et la donne, la présence de l'homme, ça veut dire le rachat du pouvoir. Parce que cette femme ou cette fille qui était chez ses parents avaient l'autorité devant leur enfant. Il va venir pour épouser cette femme. Il va maintenant racheter le pouvoir qu'avaient les parents et c'est lui maintenant qui va prendre ce pouvoir. Amen. Et c'est là où le Seigneur dit qu'il est devenu le chef de la femme. C'est aussi un grand bien-aimé. Donc comme mon frère Cédric est là, aujourd'hui, il est le chef de sa femme. Il n'est pas le chef de notre sœur là, non. Mais il est le chef de sa femme. Et cette autorité, ça vient de Dieu. Et pourquoi Dieu va faire ça? C'est pour donner la valeur dans les mariages. Donc un homme qui n'a pas doté ne peut jamais être le chef. Un homme qui n'a pas doté ne peut pas être le chef. Parce que tu n'as pas accompli la loi. Donc tu vas douter à la famille de la femme. Et cette femme va devenir ta femme. Et depuis ce moment-là, elle doit se soumettre à son mari comme au Seigneur. Regardez, la Bible va comparer le mari comme le Seigneur, comme l'Église. C'est très important de vraiment comprendre cette parole. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de combats dans le mariage. Les gens se mêlent dans toutes les choses qui ne peuvent pas s'amêler. Beaucoup des hommes de Dieu, ils sont en train de prêcher le mariage, mais en disant vice-versa. C'est-à-dire qu'il y a des lois. Ils ont sorti des lois comme si par hasard l'égalité de la femme avec l'homme. Ça, c'est des lois démoniaques. Je vous dis la vérité, satanique. Ce n'est pas des lois de Dieu. La Bible dit ici que l'homme est de chaque femme. Et ça doit rester comme ça. Personne ne peut changer la parole de Dieu. C'est celui-là qui a créé le premier mariage. Il a donné cette loi. Pas pour l'écraser, mais vous allez comprendre la suite. Donc l'homme réellement est le chef de la femme. Et si cette femme est vraiment dans la soumission de son mari, vous allez comprendre que l'amour va encore augmenter plus. Vous allez comprendre que l'amour là, ça va vraiment être au top niveau. Parce que l'homme aime vraiment s'asseoir à sa place. Et si vraiment cette femme va mettre son mari
dans sa place et qu'il respecte vraiment le chef, parce qu'un chef faut respecter. Un chef, on va l'obéir. Même dans l'église, c'est la même chose. Une église que Dieu va chercher, c'est une église qui respecte le Seigneur. Une église qui marche à Seigneur, ça veut dire obéir à la parole de Dieu. Et c'est ce mariage-là que la Bible appelle mariage selon Dieu. Donc, la femme doit vraiment obéir à Sarah. Et la première plus loin, il disait, mon Seigneur. Il a compris que le mari, c'est comme le Seigneur dans l'église. C'est la même chose. Si Dieu l'a comparé comme ça, parce qu'il connaît, lui qui nous a créé, il sait quelle valeur a donné, il a donné à l'homme. Donc, il va venir Jésus et il va casser ce mariage. Parce que le diable aussi, il sait que dans ces voies-là, il n'y a pas de respect. Ce sera un mariage, même s'il y a des combats, mais le Seigneur combattra toujours et il y aura toujours la victoire. Amen. Toujours la victoire. Parce que personne ne peut gagner là où il y a le Seigneur. Donc, une femme qui va se soumettre à son mari, vraiment, c'est vraiment merveilleux que Dieu vraiment soit loué. Ma chère Christine, comme tu es là, aujourd'hui, ça s'est accompli cette parole à toi. Ton mari a fait le nécessaire comme ça se doit. Donc là, Dieu te bénit, sa femme. Et aujourd'hui, Dieu va te bénir, va vous bénir. Vous allez recevoir cette bénédiction qui vient de Dieu. Parce que vous êtes encore loin de Dieu. Mais après cette décision, vous avez fait quelque chose de magnifique. Donc là, aujourd'hui, si vraiment tu acceptes que cet homme est devenu ton chef, que tu vas respecter, que tu vas vraiment marcher selon ses ordres, comme une aide semblable, comme Dieu dit, vous allez sur la terre. Et le diable n'aura pas la place dans votre vie. Amen. Amen. Ça, c'est important. Dieu a commencé à la femme, mais il n'a pas fini là. Il n'a pas terminé là. Il est descendu après. Il a dit, Marie, verset 25, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Donc, quelqu'un qui va aimer. Ça, maintenant, c'est le rôle de chef. Un chef va prendre soin de sa femme. Un chef va prendre la sécurité de sa femme. Un chef ne peut jamais accepter. Je ne vais pas parler ici dans ce pays. Et quand la femme est convoquée quelque part. Et puis, l'homme n'est pas. Ça, c'est pas normal. Quand la femme a un problème, l'homme doit être là. Parce que c'est lui qui a le droit. Parce qu'il a racheté devant les parents de cette femme. Il a payé sa dot. Il a le droit de suivre cette femme partout où elle va aller ou partout où elle a des problèmes. Pour l'amener à la maison et que sa femme soit vraiment tranquille. Ça, c'est l'homme de l'homme. L'homme ne doit pas regarder tout le mal. L'amour ne regarde pas toutes ces choses-là. Quand tu aimes, tu vas peut-être te corriger au lieu de détruire. Un homme qui connaît Dieu, un homme qui marche selon Dieu, il va commencer à aider aussi. Dans des endroits où il voit que non, là, c'est pas bon. Parce qu'on vient chacun de notre famille. On n'a pas grandi la même place. On n'a pas la même coutume. Mais quand vous êtes ensemble, chaque coutume va commencer à pousser. Mais si vous avez le Seigneur, et si vous avez mis le Seigneur au milieu, la Bible nous demande seulement d'aimer. Et celui qui a vraiment l'amour, il va marcher selon la parole de Dieu. Amen. Et déjà, pour arriver là, dans ce moment-là, ça veut dire qu'il y a déjà l'amour. Parce qu'un homme qui n'a pas aimé ne peut jamais aller faire la famille de la femme aller douter. À moins qu'il soit vraiment un méchant ou je ne sais pas. Mais ça ne se fait pas. Quand quelqu'un vient dire que je vais épouser cette femme, ça veut dire qu'il a vraiment l'amour, il a de la valeur dans cette famille, il veut honorer cette famille. Amen. Il veut honorer la femme et il veut marcher vraiment comme Dieu le veut. Et ça, c'est très important. Et la Bible nous dit que quand vous marchez comme ça, le Seigneur va lui-même commencer à être au milieu, parce qu'il s'appelle Dieu des milliers. Quand il est au milieu, toutes choses vont devenir faciles et
la victoire sera certaine. Parce que les combats dans ce monde, vous savez bien, c'est vraiment rude. Il y a des combats terribles. Parce que les gens ne voient pas ces combats-là. Tellement c'est le combat spirituel. Ça se voit pas dans les yeux humains comme ça. Mais c'est le combat qui traverse les esprits. Et pendant que nous dormons, pendant que nous sommes dans la maison, vous avez remarqué que peut-être depuis le matin, vous n'avez pas discuté ou les choses étaient tranquilles. Mais arrivé peut-être à 22h comme ça, avant d'aller au lit, quelque chose de. Une simple chose comme ça, ça va commencer tout de suite. Je n'aime pas ça. Donc, mais comment ça. Donc, ça commence tout de suite. Mais tu dis, mais est-ce que. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ça, l'ennemi est rentré. Mais comment l'ennemi entre comme ça? Quand vous n'avez pas le discernement, quand vous ne mettez pas la parole de Dieu en place, ou si vraiment, le monde dit. L'égalité. Ça ne dit pas bien. Moi, je refuse cela au nom de Jésus. Il n'y a pas d'égalité. Personne ne peut contredire Dieu. Mais comme nous vivons dans un monde où chacun il a besoin de monter comme, la, comme on veut, tout le monde est au contraire de cette loi. Tout le monde. Mais par contre, en acceptant cette loi, on abandonne Dieu. On a abandonné Dieu. Et celui qui n'a pas avec Dieu, bien aimé, à la fin, c'est là où il y aura des problèmes. Parce que mais aujourd'hui, si tu as compris cette parole, tu vas vraiment aller chercher au plus profond afin de commencer à vivre vraiment la loi de Dieu, de se soumettre à son mari et le mari, nous avons aimé vraiment beaucoup sa femme, et qu'il soit vraiment dans la paix et que la paix du Seigneur va venir à cette famille et les enfants aussi. Vous avez remarqué, dans la famille où il n'y a pas la paix, ça touche les enfants tout de suite. Parce que c'est leur sang. C'est quelqu'un qui a s'aimé, qui va récolter aussi. On a détruit nos enfants nous-mêmes. Mais maintenant, on va abandonner les enfants. C'est parce que nous, on n'a pas montré le bon exemple aux enfants. Ils ont vu des choses horribles dans nos maisons. Et on a empêché les enfants, je n'ai pas fait ça, mais on ne savait pas que c'est nous qui avons commencé déjà à faire le mal à ces enfants. Et aujourd'hui, on n'arrive plus à les récupérer. Mais grâce à Dieu, parce que si on revient à l'Éternel, lui sait. Il peut bien amener nos enfants entre nos mains. Amen. Et dans la paix et que la famille Dieu encore est libre. Et c'est ça qui est important, aimer la parole de Dieu et soyez vraiment les enfants de Dieu. Et c'est à ce moment-là que nous allons voir les bontés de l'Éternel. Parce que l'Éternel est vivant. Amen. Amen. Jésus est vivant. Mais il est dans le centre de la maison. Cédric, mon frère, aimer, c'est protéger. C'est bien gardé, c'est vraiment, c'est magnifique. Quand tu aimes, il faut aimer. Quand il y a des choses, quelqu'un qui aime, il va corriger. Il va vraiment enseigner. Regarde, ici, on fait comme ça, ici, comme ça. Et celle-là qui écoute ça, elle va se soumettre et elle va obéir. Ça sera un groupe magnifique. Aujourd'hui, vous êtes devant le Seigneur. Je veux dire une chose, ce n'est pas pour rien que être béni devant Dieu et dans cette église. Ou ce n'est pas bon. La terre est déjà foutue. Même si tu es bon semence, ça ne va jamais pousser. Si tu vas s'aimer dans cette terre, dans une terre, pardon, où il n'y a pas de vitamines, on peut dire, ça ne va jamais pousser. Si tu as une bonne terre et tu n'as pas une bonne semence, tu peux s'aimer. Le mariage, on peut parler, bénir le mariage partout. À n'importe qui, non. Parce que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, celui qui n'a pas Dieu, il va vous imposer les mains. Il va transmettre tout ce qui est dans lui. Et si ce n'est pas Dieu, c'est la destruction. C'est pas beaucoup de mariages que j'ai connus ici. Tous ces petits. Des divorces. Des gens se divorcent comme ça. Ils ne savent pas où ça vient, toutes ces choses. Debout les débuts. Aujourd'hui, dans ce lieu. Ce n'était pas vous, mais c'est le Seigneur. Je sais ce que je dis. Tant qu'homme de Dieu, je sais ce que je dis, bien aimé. Beaucoup de gens sont détruits à cause, soit des gens de serviteurs de Dieu, mais qui ne sont pas. Il y en a plein. C'est pour cela, Dieu, quand il aime ses enfants, il les envoie dans une bonne terre, afin qu'ils reçoivent vraiment la bénédiction du mariage. C'est là où ça commence la vie réellement de l'homme. Regarde ce que la Bible dit.
Avant d'aller même, tu retournes toujours dans la maison. Ça veut dire dans ta famille, dans ta propre famille. Si là-bas, tu es bien et que ça marche bien, partout tu iras, ça sera la même chose. Mais si c'est déjà détruit, tu ne peux rien faire. À moins que la grâce de Dieu soit. Nous sommes sauvés par cette grâce et par le moyen de la foi. Amen. Amen. C'est très très important. Le mariage, ce n'est pas quelque chose, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens comme ça, c'est bien. Et puis demain à la maison, ah non, ça c'est le diable qui rentre. Soyez soumis. Respect au mariage. Ce n'est pas écrasé. C'est pas parce que les gens prennent ça autre Dieu. C'est les humains et l'ennemi qui veut se mettre de toutes ces paroles. En fait, c'est les paroles d'amour. Soumission, ça veut dire qu'il faut écraser la femme, jamais. Quand quelqu'un elle est soumise, elle peut encore grandir l'amour de son mari. Tu vas confirmer devant le Seigneur et devant tous. Parce que la Bible dit que les mariages soient honorés de tous. Si réellement tu aimes cette femme, c'est aujourd'hui devant le Seigneur que tu vas le montrer. Et ça sera pour toujours jusqu'à la mort de ses parents. Donc si réellement tu as compris ce qui s'est passé et ce que tu veux de faire, dis devant tout le monde que je l'aime au nom de Jésus. Je lève au nom de Jésus. Oui, ce que la Bible nous dit, ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible, c'est lui-même Jésus. De se soumettre à ton mari. Parce que l'amour de la femme, ça se voit par la soumission. Si réellement tu as cette soumission devant ton mari, tu vas la présenter devant le Seigneur et devant le peuple de Dieu. Tu dis oui, je l'aime au nom de Jésus. Je l'aime au nom de Jésus. Et cette parole, c'est la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, ça sera une alliance. La Bible dit jusqu'à la mort. Amen. Donc cette alliance, ça va confirmer ce que tu viens de déclarer devant le peuple de Dieu et devant Dieu. Où sont les alliances? Mari et femme au nom de Jésus. Vous pouvez vous abraçer.
les risques de mariage et les risques au nom de Jésus. Maman, tu peux signer ainsi. Merci. Je vais appeler aussi les témoins. Les témoins de mariage peuvent avancer. Amen. Merci. Merci. Oh, Jésus. Voilà, les témoins aussi peuvent les dessiner. Ils étaient loin de toi, Seigneur. Mais aujourd'hui, ils ont dit non, nous allons approcher le Seigneur pour lui donner, pour lui montrer cette valeur que nous puissions donner notre mariage, notre union dans la main de Dieu. Afin que lui seul puisse nous protéger. Seigneur, nous venons devant toi maintenant pour demander cette bénédiction, Seigneur. Oh, pour entrer cette bénédiction, Seigneur, je dois d'abord. J'annule, papa, parce que quand ils étaient déjà ensemble, oui, papa, ils ont commis la débauche. Mais Seigneur, aujourd'hui, ils ont compris ce que vers toi. Que tout ce qui était malédiction, que tout ce qui était abomination, tout ce qui était la débauche, Seigneur, dans ce couple, je l'annule aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que le sang de Jésus lâche ce couple. Que le sang de Jésus lâche leur péché. Et bien, quand il n'y a pas un péché plus grand que le sang, aujourd'hui, c'est une grande bénédiction qui est dans cette famille. Comme ils ont compris, ils t'ont honoré Jésus. Papa, que la bénédiction de Dieu, que la bénédiction du ciel, que toutes les gens qui sont soulevées sur la Bible, dans la Bible, mon Dieu, mon roi, descendent. Et que vous, Seigneur Dieu, oh oui, marche avec cette bénédiction, que dans leur maison, Seigneur, que ça ne manque de rien. Donc, loin, 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 au nom de Jésus, Seigneur, prends la première place. Dieu de milliers, je te mets au sang de ce couple, papa, au nom de Jésus-Christ. Que ce couple aguine dans le sang de Jésus. Que le sang de couple, Seigneur, que toute attaque qui vient de dehors, toute attaque des amis, toute attaque de ce monde, toute attaque des médias, toute attaque, Seigneur Dieu, de l'ennemi, Satan, du diable, ni de quelqu'un, ni de la famille. Oh oui, aujourd'hui, je le brise au nom puissant de Jésus. Que lui seul, le Seigneur Jésus, prend la première place à ce couple. Avec quand l'ennemi viendra, oui, le Saint-Esprit la mettra en fuite. S'il vient dans un... Amen. Voilà. Ce couple, ils avaient déjà eu un enfant avant le mariage. Maintenant, nous allons aller prendre cet enfant dans la main de Dieu, afin que la malédiction ou la réclamation du diable soit aussi brisée dans la vie de cet enfant.
Et tu verras passer cette bénédiction parce qu'ils sont déjà mariés. Et cet enfant doit aussi entrer dans cette bénédiction au nom de Jésus. Nous allons fermer les yeux et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, oh Dieu miséricordieux, Dieu tout-puissant, et bien nous dit Seigneur, si quelqu'un a reconnu qu'il était fautif, qu'il était dans le péché et qu'il a accompli la parole de Dieu, dès qu'il revient à cette maison, et bien il dit que oui, je le pardonne. Moïse a déclaré Seigneur, tu lui as dit je pardonne. Salomon a dit cela, tu as dit oui, je pardonne. Seigneur, pardonne les péchés, ils ont accompli ta parole. Que cet enfant, mon Dieu, nous représentons, Seigneur Dieu. Oui, auprès de toi, Jésus, devant ton trône de grâce, tout lui, cet enfant va entrer dans cette bénédiction et dans ce royaume. Parce que sa condamnation est expiée. Sa condamnation est finie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Oh oui, prends cet enfant, Seigneur. Que toute sa vie, mon Dieu, qu'il soit entre tes saintes mains. Papa, que toute sa vie, Jésus, que tu la protèges, que tu marches avec lui. Parce que le sang de Jésus a été déjà coulé, Seigneur. Et par la grâce du sang de Jésus-Christ, nous sommes dans la liberté, dans la paix. Voilà. Je vais donner ce cadeau dans ce couple. Un cadeau pour toujours. Ça, vous allez garder précisément les deux mains, vous allez toucher précisément jusqu'à le jour où le Seigneur viendra. Il va vous demander ce cadeau si vous avez vraiment bien gardé ça. Amen. Ça, c'est pour l'Église. Amen. Amen. Prions. Tu es Dieu qui est bon.
Ce qui vient de se passer, c'est toi qui as commencé. Maloba ezali kobima na lolenge ya tango tokomi moyini asukola bato mayele nyonso. La parole qui vient de sortir, Seigneur, c'est la parole qui vient de toi et que l'ennemi a commencé déjà dans la vie des hommes de tourner cette parole d'une façon ou d'une autre. Toyebi ete nyonso ya yoki likambo oyo ya mama komikitisa ezali likambo oyo ezokota. Je sais que celui qui a entendu cela en disant que la femme soit soumise à son mari, c'est vraiment quelque chose qui est entré et que ça donne l'intelligence et la sagesse. L'ennemi a lavé le cerveau ou l'intelligence de beaucoup des hommes. C'est pourquoi si ce n'est pas toi le Seigneur qui peut nous ouvrir la sagesse et l'intelligence, personne ne peut comprendre ni écouter. L'union de la femme et l'homme, ça ne peut pas exister. L'égalité de la femme. Kokokana ya mwasi na mobali ezalaka te. L'égalité de la femme. Ça se fait pas. C'est pourquoi il a dit que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. L'ennemi est venu pour tourner toutes choses. Celui qui n'a pas encore l'habitude d'écouter la parole de Dieu va prendre ça au travers. Molimo mosantu asunga bona kokotisa yango na esika na yango na bomo ya mutu nyonso. Que le Saint-Esprit nous aide vraiment à comprendre, oui, que cette parole vraiment est puissante. Molimo mosantu nda kosunga ete tokoka kofungola miso. Que le Saint-Esprit va nous aider à comprendre et à ouvrir nos yeux. Vous avez fait quelque chose de magnifique. Donc là aujourd'hui,
Si vraiment tu acceptes que cet homme est devenu ton chef, que tu vas respecter, que tu vas vraiment marcher selon ses ordres, comme une aide semblable, comme j'ai dit, vous allez sur la terre et le diable n'aura pas la place dans votre vie. Amen. Amen. Ça, c'est important. Dieu a commencé à la femme, mais il n'a pas fini là. Il n'a pas terminé là. Il est descendu après. Il a dit, Marie, verset 25, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Donc, quelqu'un qui va aimer, ça maintenant c'est le rôle de chef. Un chef va prendre soin de sa femme. Un chef va prendre la sécurité de sa femme. Un chef ne peut jamais accepter. Je ne vais pas parler ici dans ce pays. Et quand la femme est convoquée quelque part. Et puis, l'homme n'est pas. Ça, c'est pas normal. Quand la femme a un problème, l'homme doit être là. Parce que c'est lui qui a le droit. Parce qu'il a racheté devant les parents de cette femme, il a payé sa dot, il a le droit de suivre cette femme partout où elle va aller, ou partout où elle a des problèmes. Pour amener à la maison et que sa femme soit vraiment tranquille. Ça, c'est l'homme de l'homme. L'homme ne doit pas regarder tout le mal. L'amour ne regarde pas toutes ces choses-là. Quand tu aimes, tu vas peut-être te corriger au lieu de détruire. Un homme qui connaît Dieu, un homme qui marche selon Dieu, il va commencer à aider aussi. Dans des endroits où il voit que non, là, c'est pas bon. Parce qu'on vient chacun de notre famille. On n'a pas grandi la même place. On n'a pas la même coutume. Mais quand vous êtes ensemble, chaque coutume va commencer à pousser. Mais si vous avez le Seigneur, et si vous avez mis le Seigneur au milieu, la Bible nous demande seulement d'aimer. Et celui qui a vraiment l'amour, il va marcher selon la parole de Dieu. Et déjà, pour arriver là, dans ce moment-là, ça veut dire qu'il y a déjà l'amour. Parce qu'un homme qui n'a pas aimé ne peut jamais aller vers la famille de la femme, aller douter. À moins qu'il soit vraiment un méchant ou je ne sais pas. Mais ça ne se fait pas. Quand quelqu'un vient dire que je vais épouser cette femme, ça veut dire qu'il a vraiment l'amour, il a de la valeur dans cette famille, il veut honorer cette famille, amen, il veut honorer la femme. Et il veut marcher vraiment comme Dieu le veut. Et ça, c'est très important. Et la Bible nous dit que quand vous marchez comme ça, le Seigneur va lui-même commencer à être au milieu. Parce qu'il s'appelle Dieu des milliers. Quand il est au milieu, toutes choses vont devenir faciles et la victoire sera certaine. Parce que les combats dans ce monde, vous savez bien, c'est vraiment rude. Il y a des combats terribles. Parce que les gens ne voient pas ces combats-là. Tellement c'est le combat spirituel. Ça ne se voit pas dans les yeux humains comme ça. Mais c'est le combat qui traverse les esprits. Et pendant que nous dormons, pendant que nous sommes à la maison, vous avez remarqué que peut-être depuis le matin, vous n'avez pas discuté ou les choses étaient tranquilles. Mais arriver peut-être à 22h comme ça, avant d'aller au lit, quelque chose de. Un simple chose comme ça, ça va commencer tout de suite. Je n'aime pas ça. Donc, mais comment ça. Donc, ça commence tout de suite. Mais tu dis, mais est-ce que. Qu'est-ce qui s'est passé pour au juste. Ça, l'ennemi est rentré. Mais comment l'ennemi entre comme ça. Quand vous n'avez pas le discernement, quand vous ne mettez pas la parole de Dieu en place, ou si vraiment, le monde dit. L'égalité, ça ne dit pas bien. Moi, je refuse cela au nom de Jésus. Il n'y a pas d'égalité. Personne ne peut contredire Dieu. Mais comme nous vivons dans un monde où chacun il a besoin de monter comme on veut, tout le monde est content de cette loi. Tout le monde. Mais par contre, en acceptant cette loi, on abandonne Dieu. On a abandonné Dieu. Et celui qui n'a pas avec Dieu, bien aimé, à la fin, c'est là où il y aura des problèmes. Parce que mais aujourd'hui, si tu as compris cette parole, tu vas vraiment aller chercher au plus profond afin de commencer à vivre vraiment la loi de Dieu, de se soumettre à son mari et le mari, pour savoir aimer vraiment beaucoup sa femme.
et qu'ils soient vraiment dans la paix et que la paix du Seigneur va venir dans cette famille et les enfants aussi. Vous avez remarqué, dans la famille où il y a la paix, ça touche les enfants tout de suite. Parce que c'est leur sang. C'est quelqu'un qui a s'aimé, qui va récolter aussi. On a détruit nos enfants nous-mêmes. Mais maintenant, on va raconter les enfants. C'est parce que nous, on n'a pas montré le bon exemple aux enfants. Ils ont vu des choses horribles dans nos maisons. Empêcher les enfants, je n'ai pas fait ça, mais on ne savait pas que c'est nous qui avons commencé déjà à faire le mal à ces enfants. Et aujourd'hui, on arrive plus à les récupérer. Mais grâce à la vie à Dieu. Parce que si on revient à l'Éternel, lui seul, qui peut bien amener nos enfants entre nos mains. Amen. Et dans la paix, et que la famille doit encore être libre. Et c'est ça qui est important, aimer la parole de Dieu, et soyez vraiment les enfants de Dieu. Et c'est à ce moment-là que nous allons voir les bontés de l'Éternel. Parce que l'Éternel est vivant. Amen. Amen. Jésus est vivant. Mais il est dans le centre de la maison. Cédric, mon frère, aimer, c'est protéger, c'est bien garder, c'est vraiment, c'est magnifique. Quand tu aimes, il faut aimer. Quand il y a des choses, quelqu'un qui aime, il va corriger. Il va vraiment enseigner. Regarde, ici, on fait comme ça, ici, comme ça. Et celle-là qui écoute ça, elle va se soumettre et elle va obéir. Ça sera un groupe magnifique. Aujourd'hui, vous êtes devant le Seigneur. Je veux dire une chose, ce n'est pas pour rien que vous êtes venus devant Dieu et dans cette église. Ou ce n'est pas bon. La terre est déjà foutue. Même si tu es bon semence, ça ne va jamais pousser. Si tu vas s'aimer dans cette terre, dans une terre, pardon, où il n'y a pas de vitamines, on peut dire, ça ne va jamais pousser. Si tu as une bonne terre, et que tu n'as pas une bonne semence, tu peux s'aimer. Le mariage, on peut parler, bénir le mariage partout, à n'importe qui, non. Parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, celui qui n'a pas Dieu, il va vous imposer les mains, il va transmettre tout ce qui est en lui. Et si ce n'est pas Dieu, c'est la destruction. Ce n'est pas beaucoup de mariages que j'ai connus ici, tous ces petits, les divorces. Les gens se divorcent comme ça. Ils ne savent pas où ça vient, toutes ces choses. Depuis le début. Et aujourd'hui, dans ce lieu. Ce n'était pas vous, mais c'est le Seigneur. Je sais ce que je dis. Tant qu'homme de Dieu, je sais ce que je dis, bien-aimé. Beaucoup de gens sont détruits à cause, soit des gens de serviteurs de Dieu, mais qui ne sont pas. Il y en a plein. C'est pour cela, Dieu, quand il aime ses enfants, les envoie dans une bonne terre, afin qu'ils reçoivent vraiment la bénédiction du mariage. C'est là où ça commence la vie réellement de l'homme. Regarde ce que la Bible dit. Avant d'aller même, on retourne toujours dans la maison. Ça veut dire que dans ta famille, dans ta propre famille, si là-bas tu es bien et que ça marche bien, partout tu iras, ça sera la même chose. Mais si c'est déjà détruit, tu peux rien faire. À moins que la grâce de Dieu soit. Nous sommes sauvés par cette grâce. Et par le moyen de la foi. Amen. Amen. C'est très très important. Le mariage, c'est pas quelque chose, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens comme ça, c'est bien. Et puis demain à la maison, ah non, ça c'est le diable qui rentre. Soyez soumis. Respecte le mariage. Ce n'est pas écrasé. C'est pas parce que les gens prennent ça entre Dieu. C'est les humains et les ennemis qui veulent se mettre de toutes cette parole. En fait, c'est les paroles d'amour. Soumission, ça veut dire qu'il faut éclater la femme, jamais. Quand quelqu'un elle est soumise, elle va encore grandir l'amour de son mari. Tu vas confirmer devant le Seigneur et devant tous. Parce que la Bible dit que les mariages soient honorés de tous. Si réellement tu aimes cette femme, c'est aujourd'hui devant le Seigneur que tu vas le montrer. Et ça sera pour toujours jusqu'à la mort qui se sépare. Donc si réellement tu as compris ce qui s'est passé et ce que tu veux de faire, dis devant tout le monde que je l'aime au nom de Jésus. Je l'aime au nom de Jésus. Oui, ce que la Bible nous dit, ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible, c'est lui-même qui dit de se soumettre à ton mari.
Parce que l'amour de la femme, ça se voit par la soumission. Si vraiment tu as cette soumission devant ton mari, tu vas la présenter devant le Seigneur et devant le peuple de Dieu. Tu dis, oui, je l'aime au nom de Jésus. Je l'aime au nom de Jésus. Et cette parole, c'est la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, ça sera une alliance. La Bible dit jusqu'à la mort. Amen. Donc cette alliance, ça va confirmer ce que tu viens de déclarer devant le peuple de Dieu et devant Dieu. Où sont les alliances? Amen. Yes, sir.
Voilà, le témoin aussi peut me dessiner. Ils étaient loin de toi, Seigneur. Mais aujourd'hui, ils ont dit non, nous allons approcher le Seigneur pour lui donner, pour lui montrer cette valeur que nous pouvons donner notre mariage, notre union dans la main de Dieu. Afin que lui seul puisse nous protéger. Seigneur, nous venons devant toi maintenant pour demander cette bénédiction, Seigneur. Oh, pour entrer cette bénédiction, Seigneur, je dois d'abord. J'annule papa, parce que quand ils étaient déjà ensemble, oui papa, ils ont commis la débauche. Mais Seigneur, aujourd'hui, ils ont compris ce que venu vers toi. Que tout ce qui était malédiction, que tout ce qui était abomination, tout ce qui était la débauche venait dans ce couple, je l'annule aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que le sang de Jésus lâche ce couple, que le sang de Jésus lâche leur péché. Et bien, quand il n'y a pas un péché plus grand que le sang, aujourd'hui, c'est une grande bénédiction qui est dans cette famille. Comme ils ont compris, ils t'ont honoré Jésus. Papa, que la bénédiction de Dieu, que la bénédiction du ciel, que toutes les gens qui sont soulevés sur la Bible, dans la Bible, mon Dieu, mon roi, descendent. Et qu'ils puissent, Seigneur Dieu, oh oui, marche avec cette bénédiction, que dans leur maison, Seigneur, que ça ne manque de rien. Donc, loin, 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 au nom de Jésus, Seigneur, prends la première place. Dieu de milliers, je te mets au sang de ce couple, papa, au nom de Jésus-Christ. Que ce couple a guéri dans le sang de Jésus. Que le sang le couvre, Seigneur. Que toute attaque qui vient de dehors, toute attaque des amis, toute attaque de ce monde, toute attaque des médias, toute attaque, Seigneur Dieu, de l'ennemi, Satan, du diable, ni de quelqu'un, ni de la famille. Oh oui, aujourd'hui, je le brise au nom puissant de Jésus. Que lui seul, le Seigneur Jésus, prend la première place à ce couple. Avec un grand l'ennemi viendra. Oui, le Saint-Esprit la mettra en fuite. S'il vient dans un... Amen. Voilà. Ce couple, ils avaient déjà eu un enfant avant le mariage. Maintenant, nous allons aller prendre cet enfant dans la main de Dieu. Afin que la malédiction ou la réclamation du diable soit aussi brisée dans la vie de cet enfant. Et puis ils rentrent dans cette bénédiction parce qu'ils sont déjà mariés. Et cet enfant doit aussi entrer dans cette bénédiction au nom de Jésus. Alors fermez les yeux et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, oh Dieu miséricordieux, Dieu tout-puissant, et bien nous dit Seigneur, si quelqu'un a reconnu qu'il était fautif, qu'il était dans le péché et qu'il a accompli la parole de Dieu,
Dès qu'il revient dans cette maison, la Bible déclare que oui, je lui pardonne. Moïse a déclaré, Seigneur, tu lui as dit, je pardonne. Salomon a dit cela, tu as dit, oui, je pardonne. Seigneur, pardonne les péchés. Ils ont accompli ta parole. Que cet enfant, mon Dieu, nous représentons, Seigneur Dieu. Oui, auprès de toi, Jésus. C'est dans ton trône de grâce. Oublie, cet enfant va entrer dans cette bénédiction et dans ce royaume. Parce que sa condamnation est expiée. Sa condamnation est finie. Au nom du sang de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Oh oui, prends cet enfant, Seigneur. Que toute sa vie, mon Dieu, qu'il soit entre tes seins humains. Papa, que toute sa vie, Jésus, que tu la protèges, que tu marches avec lui. Touche la vie de cet enfant, parce que le sang de Jésus a été déjà coulé, Seigneur. Et par la grâce du sang de Jésus-Christ, nous sommes dans la liberté et dans la paix. Je vais donner ce cadeau dans ce couple. Un cadeau pour toujours. Ça, vous allez garder précisément les deux mains de l'éducation. Précisément. Jusqu'à le jour où le Seigneur viendra. Il va vous demander ce cadeau si vous avez vraiment bien gardé ça. Amen. Ça, c'est pour l'église. Amen. Acclamez Jésus. La parole qui vient de sortir, Seigneur, c'est la parole qui vient de toi et que l'ennemi a commencé déjà dans la vie des hommes de tourner cette parole d'une façon ou d'une autre. Je sais que celui qui a entendu cela
en disant que la femme soit soumise à son mari, c'est vraiment quelque chose qui est entré et que ça donne l'intelligence et la sagesse. Moyini a sukola makanisi ya bato nyonso. L'ennemi a lavé le cerveau ou l'intelligence de beaucoup des hommes. Yango anasoki yomoko kolo na bomoi. Ofungoli mutute akoyokate akososolate. C'est pourquoi si ce n'est pas toi le Seigneur qui peut nous ouvrir la sagesse et l'intelligence, personne ne peut comprendre ni écouter. Boyokani bokokani ya mwasi na mobali ekoki kozala te. L'union de la femme et l'homme, ça ne peut pas exister. L'égalité de la femme. Kokokana ya mwasi na mobali ezalaka te. L'égalité de la femme, ça ne se fait pas. Ezali yomendo monaki te ezali malamu te moto azala ye moko. C'est pourquoi il a dit que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Moyini ayako balula kobongola makambo nyonso. L'ennemi est venu pour tourner toutes choses. Montoyo ameseni koyoka liloba ya Nzambe te akokamata yango mabe. Celui qui n'a pas encore l'habitude d'écouter la parole de Dieu va prendre ça au travers. Molimo mosantu asunga mpona kokotisa yango na esika na yango na bomoi ya moto nyonso. Que le Saint-Esprit nous aide vraiment à comprendre, oui, que cette parole vraiment est puissante. Molimo mosantu nda kosunga ete tokoka kofungola miso. Que le Saint-Esprit va nous aider à comprendre et à ouvrir nos yeux.